Yeah, time is money, so don't fuck with mine. See him out with my girls, I'ma have a good time. Yo YouTube, bah écoutez, on est au Gros Dagde et puis on est fiers de l'être, on est bien. Le coucher de soleil, bah ça commence, en fait le soleil commence à tomber. Voilà, et puis voilà, tout est beau, tout est sympa. Voilà, on va passer un bon moment, voilà, les voitures. Elle va nous voir partir, de toute façon. Oh! Et la gueule. Comme je vous disais, on est au Gros Dagde, voilà, toujours dans le sud de la France. Et puis, bah écoutez, il y a des beaux paysages, c'est magnifique, c'est joli, c'est sympa. Eh, c'est l'eau de là. Donc c'est un fleuve là, qui se débouche vers la mer. Méditerranée. Donc c'est le fleuve de l'Aude qui, voilà, vous voyez là-bas. Fleuve de l'Aude qui va jusqu'à la mer Méditerranée. Sympa, hein. C'est sympa aussi ce qu'on a fait hier entre nous. Hein. Là-bas aussi on avait la mer jusqu'au pied, sauf qu'il pleuvait. Regarde les vagues. Oh là là, tu vas te
train c'est là. YouTube, bah écoutez, voilà, on a été au Bouquet Acheté et maintenant on retourne et on va faire tout ça pour aller vers la rive. Voilà, le soleil est en train actuellement de se coucher et puis bah on retourne vers la berge. Voilà, bah écoutez, je vous salue et puis à plus tard, ciao les amis. On se retrouve à Valras Plage, donc à 10 km de Gros Dagde. Et puis ben voilà, on y est. Et puis on visite un peu toutes les plages en fait, c'est ça le but hein, de nos périples. On visite, on regarde un peu et voilà. I'm gonna rock your back, take it now slow. Gonna rock your back, don't stand. Voilà, voilà, tout va bien. On filme un peu. Le soleil vient de se lever, il est exactement 8h, je sais pas combien. Quelle précision, 8h49 il est. Voilà, on a un beau temps aujourd'hui, voilà, on s'en va demain pour Paris. Peut-être qu'on va visiter quelque chose d'autre, on sait pas encore. Je vais peut-être vérifier sur internet. Sur notre trajet, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Et puis j'entends des chasseurs. Et puis il me regarde un peu le paysage. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que le sable, Betty? Quoi? C'est ça le sable? Non, c'est la plage, c'est ça. Oh putain. Ah ouais, putain, là, je pense que ça sert à rien d'y aller. Hein. On est arrivé, c'est bon. Oui, pour information, la cabane fleurie est une plage sauvage, donc il n'y a pas de camping, il n'y a rien du tout. C'est une plage inhabitée, vous venez là, faites un petit barbecue, vous êtes posé, ça doit être pas mal. L'été, bien sûr. Ça va, c'est du sable sec. Tant que tu lèves bien tes jambes, c'est tout ce que je veux, moi. Moi j'ai envie d'aller sur le truc là-bas après, en pierre.
écoutez, yo les gens, on est en direct sur Facebook et puis voilà, on est aujourd'hui, on est à la cabane de Fleury, les cabanes de Fleury, pardon. Je sais pas si vous connaissez, c'est pas très connu, mais voilà, ceux qui habitent ici vous diront d'aller ici parce que c'est une sauvage. Bah écoutez, vous verrez ça en image juste après mes petits commentaires. Une place totalement sauvage, donc il n'y a pas de camping, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de troquet, il n'y a rien du tout. Voilà, juste un parking pour que les gens puissent se garer facilement et puissent passer un bon moment là, afin de philosopher, je sais pas, méditer, se reposer. L'été, ça doit être sympa de faire un petit barbecue ici, ça doit être cool. Et puis, bah écoutez, je vous laisse un peu en image pour voir un peu tout ça. Voilà. Donc pour information, encore une fois de plus, voilà, là ce que vous voyez devant vous est le fleuve de l'Aude. Voilà, qui débouche directement au bout à la mer Méditerranée. Donc ça passe d'une eau normale à une eau totalement salée, bien sûr, vu que c'est une mer, c'est logique. Et puis, bah écoutez, que dire d'autre, admirer la vue, et puis je conseille de venir ici. Bisous Maria, j'espère que tout va bien pour toi, et je pense que j'ai attrapé la grippe, donc bon, non, je rigole, je déconne, c'était une blague. Hein. Et puis, bon voilà, là vous voyez mon ombre, c'est tout ce que vous verrez là actuellement. Et puis bah, la voiture elle est garée là-bas dans le petit parking là-bas, celle qu'on voit en premier lieu c'est pas la mienne. La mienne est juste derrière, bon bref, on s'en fout un petit peu. Et puis voilà, ma grand-mère vous voyez un petit peu là-bas, ma soeur, ma mère et un monsieur tout au bout. Je sais pas si vous voyez, bon bref. Écoutez-vous, j'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe bien. À Paris, 11e, 12e, n'importe où vous êtes. J'espère que tout va bien pour vous. Pour moi, tout va bien. On est un peu triste de repartir demain pour retourner à Paris. Bon, c'est clair, Paris et ici, ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est comme ça. Il y a un moment où on doit rentrer au bercail, comme on dit. C'est clair, faut en profiter. Ouais, c'est clair qu'il faut en profiter parce que là, on passe d'un truc désert à Paris où c'est vraiment le bordel total. En plus, c'est les fêtes qui arrivent. Bon, je vous souhaite de bonnes fêtes. Bientôt au réveillon, une bonne fin d'année 2016, et puis que l'année 2017 on fera les vœux plus tard parce que ça porte la poisse il paraîtrait. Donc on passe une bonne fin d'année, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment, et puis on se retrouve écoutez plus tard pour voir ce qu'on peut en dire de plus et ce qu'on fera comme visite supplémentaire. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à tout à l'heure, ciao les amis, bis.
Bien les amis, bah écoutez, on est à Gruis sur plage. Voilà, ça a l'air sympa, c'est mignon pour se balader. Ah merde! C'est surtout que je marche en mouillasse. Ah, ça sent la merde là! J'ai l'impression que c'est de la crasse en bas. Hein. Non, c'est peut-être du sel. C'est pas du sel, tu vois pas que c'est des bulles dégueulasses. Vas-y toi, moi je reste là. Je suis là moi. Non, 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 non. Bah t'avances pas. Thank you.